Bonjour, salut à vous, chers compatriotes Banamboka, vous avez branché connecté dans www.congodialogue. Nawabino José Bolo à l'international dans cette émission Espace Dialogue, là où la réflexion, la connaissance se rencontrent. Émission Yaba Bonne Manière. En fait, Espace Dialogue, c'est en fait cette plateforme que nous avons fait pour vous, chers téléspectateurs. Vous avez des passages en Afrique du Sud, vous aimeriez émettre vos points de vue, faire découvrir plutôt vos produits, vos talents, vos dons. Vous êtes la bienvenue à nous appeler, nous contacter dans le téléphone qui est dans vos, le numéro de téléphone qui est au bas de l'écran. À des passages en Afrique du Sud, nous sommes là juste pour, n'est-ce pas, faire valoir cela. Voilà, Espace Dialogue, là la réflexion, la connaissance, rencontre, et la plateforme OEPSAKA est libérable opinion. Vous êtes libre de faire connaître tes pensées, faire connaître un peu vos pensées, vos idées, mais pas insulter, n'est-ce pas, pas injurier, pas insulter, pas avoir des propos aussi de la discrimination ou des propos qui amènent à la division, à la séparation, des propos un peu tribales dans notre pays, parce que nous, on s'est dit quand même que on te donne la liberté de parler, mais pas la liberté d'insulter, ni d'injurier ou de minimiser quelle tribu que tu nous jusques que ça soit. Voilà. Donc je vais vous faire play, jouer un clip, juste une réflexion que quelqu'un s'est pas identifié, dommage. Il a donné son point de vue par rapport à ce qui s'est passé au niveau il y a RDC, au niveau Goma, au niveau Bukavu, Bisikani, disparition, il y a avion, logistique, il y a notre présent, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, a connu cela, triste moment de douleur, moment de tristesse, qui, les émissions que j'ai fait précédemment, j'ai condamné cette insécurité de notre ceinture présidentielle. On s'est dit, mais ça ne va pas, ce sont des choses qu'il y a à l'issue, parce qu'on a perdu des vies quand même humains, et au nom du Congo Dialogue, de Maman Francine Nguema de la Belgique, nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées. Nous avons aussi remarqué, aussi vu, notre président était allé compatir aux membres des victimes, n'est-ce pas, qui sont restés. Alors c'est vraiment l'humanisme que nous avons vu, que vous avez un président qui a un cœur, n'est-ce pas, il n'est pas seulement un président qui a un cœur grand et bon, n'est-ce pas, et Atika qui est le cas, c'est qu'on a dit la compatit quand même avec ma victime. Mais dis-moi, cette situation a suggéré quand même, a suscité beaucoup de réactions controversiales. Les gens disent que c'est un coup d'État que FCC a pu tenter à notre président. Les autres parlent de la Mouka. Il y a un peu de controversion d'idées, contradiction même d'idées. Et voilà. Et moi, j'ai choisi cet homme ici qui, selon lui, il s'est exprimé en condamnant fortement la légèreté sur le plan sécuritaire de notre président. Et puis, il a attiré l'attention à notre président. Il a dit, il faut qu'il y ait divorce entre les FCC, n'est-ce pas, et le cash. Sinon, ça va coûter la vie à notre président. Et à cause de la vie, il a été ce qu'a continué. Bon, parce que ça, attentat au Baraté, normalement, il fallait qu'il soit victime. Il y a disparition, puis il y a attentat. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. Écoutons ces points de vue et je vous demanderai aussi de mettre aussi le vôtre. Il n'est pas seulement condamné. Yo, Zaboué. Non. Et ça, bon, on était vanda yoka moutou, et puis, pèse à point de vue na yo, par rapport à réflexion et à moutou, pote, bah, est-ce qu'il a raison, il a tort, n'est-ce pas? Maintenant, nous, tout, on est faux yoka quand même. Il faut écouter, il faut quand même écouter. Même ton ennemi, il faut l'écouter, n'est-ce pas? Parce que tu auras des choses qu'il va te dire, toi-même, tu ne vois pas cela, mais lui voit cela parce qu'il se focalise plus sur tes faiblesses, n'est-ce pas? Quand moi, j'écoute les gens qui peut-être émettent des avis contraires à ce que les autres n'admettent pas, bon, je ne refuse pas. Moi, j'écoute toujours. Parce qu'en mettant ses avis, parce qu'ils ont vu votre faiblesse, voilà pourquoi ils critiquent, n'est-ce pas, ils te disent des choses que toi-même, tu ne peux pas voir. Voilà, ne condamnons pas directement, mais écoutons les propos de cet homme ici et puis nous allons revenir. La perte de Tshisekedi aujourd'hui, c'est une guerre civile qui s'annonce dans le pays. Quel est ce Kassaïe qui va accepter aujourd'hui que Tshisekedi meure? C'est pour voir que les Kassaïens se sont battus pendant 37 ans. Parce qu'il faut le dire, il faut dire les choses clairement. L'UDPS que Tshisekedi a dirigé pendant 37 ans, près de 90% de ceux qui ont donné leur vie, et leur temps, et leur énergie, et leur argent, ce sont les Kassaïens.
sont les peuples du Kassai qui ont soutenu leurs leaders, qui ont cru que cet homme-là avait quelque chose pour changer le pays. Pendant que les autres étaient en train de se faire vendre ou de se faire acheter par Mobutu, lui est resté dans la logique de pouvoir changer la dictature en un pays de droit. Combien de jeunes ont été assassinés parce qu'ils sont du Kassai? Combien de gens ont perdu leur travail parce qu'ils sont du Kassai? On apprend seulement qu'il est des on te chasse du travail. Qu'on dise, bah non, il faut parler au nom du Congo, ici, il ne faut pas... Non, je suis en train de dire ici, c'est un élément très important. Parce que si aujourd'hui cet homme-là meurt, on ne va pas spéculer, il y aura une guerre civile au Congo. Parce qu'il n'y a aucun Kassaïen qui va accepter encore la souffrance d'encore peut-être 50 ans. Non, ça sera, le pays sera scindé en deux. Ça sera terminé. Les Kassaïens vont aller faire leur affaire. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment Tshisekedi, un fils du pays, il prend le pouvoir, mais les Congolais ne l'acceptent pas. Ils sont dans les combines, ils sont contents. Ce qui s'est passé là, ils sont contents. Vraiment, il fallait Akufa Kaka. Ils sont contents. Vous pouvez imaginer que nous, on pensait que le problème, c'était Kabila, c'était étranger, tout ça. Quand on aura un fils du pays, tout le monde sera derrière lui. On se rend compte que, quand vous regardez, même à l'IDPS là, quand il y a des mouvements, ce sont les Wewa, les jeunes là, toujours les enfants du Kassai qui sont pleins là en train de soutenir leur pouvoir. Parce qu'ils se disent, tout le monde ne veut pas soutenir Tshisekedi. C'est comme si Tshisekedi c'est un autre étranger. Ce n'est pas normal. Les gens sont dans l'hypocrisie. Les Bemba, Katumbi, les Fayoulou, Mouzito, tous ces gens-là, ils sont allés à Genève, ils étaient ensemble. Quand Tshisekedi gagne les élections, ces gens-là deviennent opposants. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Katumbi, même s'il dit opposition républicaine, opposition, il devait le faire si quelqu'un de Kabila avait pris le pouvoir. Mais Tshisekedi était avec lui dans le même camp. Il devient opposant de Tshisekedi. En quoi? Comment il peut expliquer ça? Que ce soit Bemba, que ce soit Mouzito et les autres, comment ils deviennent opposants? Ça n'a aucune base. C'est vous dire que ces gens-là, c'est la haine, c'est la mauvaise foi. Parce que quand vous voyez Katumbi, c'est tout l'Est, les Katanga, tout ça. Vous voyez Bemba, c'est la partie Équateur, Lingala, tout ça. Et les Mouzito qui, jusque-là, qui se font identifier pour les... La partie de Bakongo. Vous voyez? Or, ces gens-là devaient être maintenant là avec Tshisekedi. On ne pouvait même pas parler de Kabila. On ne pouvait plus parler de Kabila. Tshisekedi ne pouvait même pas faire l'alliance avec Kabila. Quand on annonce les résultats, ces gens-là refusent. Ils vont automatiquement dans les déclarations. Ils sont sur TV5, ils sont sur France 24. Ça, on comprend que c'est cette histoire-là, Moulouba cause au pouvoir. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous marchons dans une hypocrisie. Oh non, il faut que le Walikambo Congo Mobimba. Ça, c'est de l'hypocrisie. Vous le savez tous. Que vous ne le soutenez pas. Partout, tu sais ce qui est passé. La plupart des gens qui sont venus, ce sont ses frères du Kassai. Mais pendant ce temps-là, tu sais que 9 mois, il n'a même pas mis ses pieds au Kassai, il n'a même pas encore fait quelque chose au Kassai. Il le fait partout, il était au Katanga, il était dans l'Est du Congo, il était presque partout, sauf chez lui. Jusqu'au point d'aller faire des déclarations du genre, je vais mourir, s'il faut mourir, je vais mourir, pour qu'il y ait la paix au Congo. En retour, qu'est-ce que vous lui remettez? La haine, la jalousie, la mauvaise foi. Si aujourd'hui tous les Congolais étaient derrière Tshisekedi, Kabila serait déjà parti. Ceux qui ont donné beaucoup plus de la force à Kabila dans ce pays-là, c'est vous
les autres, vous avez accepté de combattre quelqu'un qui était candidat comme tous les autres. Tshisekedi n'était pas le président de la CENI pour mettre son nom, comptabiliser ses voix et se proclamer président. Il y avait quelqu'un qui avait organisé ces choses-là. Il y avait 21 candidats. Quand il est déclaré président, c'est comme si c'est lui qui a fait tout. On oublie Kabila qui a fait le désordre là. On oublie Nanga qui a orchestré tous ces coups-là. On s'abat sur Tshisekedi qui était candidat comme les autres. Et les gens le soutiennent. On a vu Fayulu en Europe là-bas, plein de Congolais derrière lui, en train de le soutenir, comme pour dire Tshisekedi n'est pas président. À Tekimboka, l'homme qui est prêt à donner sa vie. C'est pourquoi j'ai dit au président, il faut arrêter avec ce genre de déclarations. Mourir comment? Toi, tu es devenu Dieu ou Jésus ou le sauveur de l'humanité ou comment? Pour des choses que tu ne connais pas, les gens qui sont là-bas, ils connaissent leurs histoires. Les gens de l'Est là connaissent ce qui se passe là-bas. Ces déclarations-là, vous voyez, les paroles ont une puissance. Vous avez failli la mort. D'après les informations que nous avons, le tireur de cet Antonov, ils ont pensé que le président serait dans l'avion là. Parce que le coup était tellement secret que l'information n'est pas sortie. Alors, pour se rassurer, Kabila a quitté Kabila a quitté Kinshasa vers l'est du Congo parce qu'il savait que dès que cette affaire s'est faite, il y aura des troubles, les gens vont aller chercher, même aller l'attaquer. Il est allé dans la zone de confort, donc à l'est du Congo, pour attendre ce qui va se passer, et comme ça, dès que le trouble commence, lui traverse le Rwanda et les troupes rwandaises entrent pour essayer de maîtriser les troubles et ils reprennent le pouvoir avec Tamoumamba. C'est le coup qui a raté. Ce n'est pas un hasard. Ne nous amenez pas dans les théories inutiles du genre l'Antonov prenait 10 tonnes et on a mis la voiture du président qui prenait déjà 7 tonnes et puis il y a eu des clandestins. Regardez, enlevez-nous toutes ces histoires-là. Tshisekedi était mort hier. Si vous ne le savez pas. Les gens obscurs sont dans ces pays-là. Bemba et ses amis sont contents d'aller à Kisangani faire leur anniversaire et tout ça. Ils sont dans les coups. À Mbongo, le cardinal là, il a refusé, le jour où Tshisekedi prenait le pouvoir, il a refusé de venir assister à la messe, à la cérémonie. Mais quand on le crée, lui, cardinal, c'est d'abord Tshisekedi qui donne l'autorisation, qui accepte la lettre pour qu'il soit accepté cardinal. Et Tshisekedi va même assister. Pendant qu'il n'y avait aucun autre président, Tshisekedi est allé là-bas, aux frais de l'État congolais. Vous voyez les ennemis que nous avons. C'est pourquoi nous disons au président de la République, trop c'est trop. Combien de fois nous allons te demander d'arrêter avec cette coalition? Cette histoire-là est satanique, c'est diabolique. Il ne faut pas attendre que vous soyez déjà mort. Que ce soit tard. Ces gens-là, ce ne sont pas des... Kabila n'a pas hésité de tuer son père adoptif. Mouzé est mort, Kabila savait. Kabila a fait la même chose. Il s'est déplacé, il est allé vers Katanga. Il savait qu'on allait l'assassiner. Cette histoire-là d'aller à Pointe, tout ça, c'était juste une diversion. Il était au courant qu'à telle date, on va tuer Mouzé. Et il a pris son avion, il est allé vers l'est du Congo, vers le Katanga.
Kabila n'a pas hésité de tuer Samba Caputo, son conseiller spécial. Kabila n'a pas hésité de tuer Katumba Mwangi. Toujours dans ces histoires de crash comme ça, des avions Antonov ici. Kabila n'a pas hésité de tuer Gaëtan Kakoudi, la sœur de Kabila, les enfants de Kabila. Cet homme que vous voyez là, c'est un sadique. Combien de fois nous avons dit, cette histoire-là ne nous amène nulle part. Si vous dites non, la coalition pour qu'il y ait la paix, il n'y aura pas la paix. Mieux vaut même être dans une cohabitation, ça bloque, le peuple se prend en charge et comme ça, dans les troubles là, cette affaire-là est terminée, on chasse tous ces gens-là. Parce que la population va s'occuper de tous ces FCC à partir de chez eux. Ils ne vivent pas dans le firmament. Vous avez déjà vu les membres du FCC là vivre dans l'espace ici? Ils sont à Kinshasa, localisables. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais demander vraiment au chef de l'État, à partir de maintenant. Voilà, vous avez suivi cela. Alors, que dites-vous par rapport à réaction Naïe à condamner très fortement Aligny Marie Divorce et Salama? Vous avez raison, vous avez tort. Tout ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai? C'est fondé? Il a des sources où? Alors, ce sont des questions que nous allons nous poser. Clavier, ils en ont beaucoup d'abîmes. On va chercher les spectateurs, les internautes, pour réfléchir ensemble. Hein? Mais au PC, on a bien attention, on a toujours attention, tenir peu compte, on a rejeté nos tout. On ne s'est pas dit qu'il est contre les présidents, contre les Balouba, mais sauf que ils ont remarqué qu'il y a un constat où il y a sali. On doit rejeter en côté. Voilà, chers amis, chers téléspectateurs, moi, mon humble avis, on doit être toujours derrière le président de la République et puis tout aussi, on a toujours sécurité à ma case, surtout renforcé en gros, peut-être vous avez pas tenu compte de ce qui s'est passé parce qu'à ça, président, tout peut venir, tout peut arriver, tout peut venir. Maintenant, on n'a pas seulement jeté, tiré la balle à qui que ce soit, mais ce sont des choses qu'on doit quand même veiller sur ça. Ok? Maman Francine Nguemé de la Belgique, rappelez-vous, mère, voilà un peu mon analyse de l'ingato ça par rapport, il y a après Antonov 72 Bungaki, quelle est la réaction des gens par rapport à cela? Les Sony et Sengel, les Petos, Apotolixon, Kandingwanate, n'est-ce pas? On réfléchit quand même ensemble sur ça. Que pensez-vous par rapport à cela? Est-ce qu'il y a-t-il des mesures de sécurité vraiment bien serrées tout autour? Il y a présent Nabisso. Comme il continue à voyager, il va faire un voyage quoi, aux États-Unis ou les jours à venir ici, Nabambo Kamususu. Est-ce que, bah, si, bah, mesure Moussousou, il y a bien, pour tous à la sous-surprité. Tous à la sous-surprité. Quelqu'un m'écrit avant que je termine que Antonov Bungi Nango, mais. Moutombo dit que. Mais je ne sais pas si c'est vrai, hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Il dit que Moutombo Dikembe a offert président. She's coming. Hein? Becky? She's in the toilet. Ok. Good. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. On dit que Moutombo Dikembe a offrir président de la République Blende Moussoum, tout comme ça, Blende. Bon, ça, ce sont des photos. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Réseau social, ça n'a pas ma cambou dans mon père. Hein? Bon, le président de la République va offrir blindé par un individu. Bon, je ne sais pas. Si c'est vrai, c'est faux. Tout l'an de là, quand même. Bon, ça peut aussi arriver. À mout pas qu'on s'en est donné. N'est-ce pas? Après, si le président de la République don, hein? Après, c'est pena don et à mout tout cas. Parce qu'il y a un souci à président Nabisso. Voilà, c'est pas grave. Dans le cadre et quatre, il y a partiosisme et caca. Donc, dans le cadre de patriotisme, il y a PCP. Maman a blindé Moussousou. Donc, en tout cas, le Soussou est l'équipe. Et donc, voilà. Qu'à cela ne tienne, merci à vous, chers téléspectateurs. Vous avez branché, connecté. Bon, PCP, réaction à Bino. Un dossier à suivre. Et vos sujets aussi, vous avez besoin. Tout le Belakango, beaucoup de Melabisso. Tout le monde a quitté le terrain. Et puis, tout le monde a quitté le terrain. Et puis, tout le monde a quitté le terrain. À suivre. Maman Francine Nguemé, merci. Prof Bellon, à Watlat Campus. Merci, Nayo Angoana, Naba soutien, Nayo. Donc, comme ça, là, qui toque au Kobara, Nayo Salengo. Voilà. Jusqu'à un prochain numéro, restez branchés. Et abonnez-vous massivement sur Congo Dialogue. Facebook, c'est Josué Boloa. Bye.